On va passer la parole maintenant à la communauté de Télématin, vous le savez, avec un nouveau message vidéo. Quand quatre villages décident, pendant la crise, de recréer du lien social à travers une association, c'est la belle histoire du jour, direction le Jura. Regardez. Bonjour, je suis Marie-Christine, la présidente de l'association Les Chailloux. Alors, Urbana, je m'occupe de la Gazette trimestrielle de la communication. Et Tatiana, trésorière adjointe de l'association. Pendant le confinement, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'habitants se retrouvaient seuls. Nous souhaitons mettre nos connaissances, nos compétences au service des habitants de la commune en proposant des événements culturels, des concerts, des spectacles, des conférences, des visites guidées pour faire découvrir notre patrimoine, des événements sportifs aussi, des fêtes de village, pour que les gens se retrouvent et participent à des moments de convivialité. On essaie également de mettre en place un covoiturage. On propose aussi une aide aux tâches administratives pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec certaines démarches. L'outil principal de notre association est cette gazette trimestrielle dans laquelle il va y avoir plusieurs rubriques d'ordre culturel, social. L'idée, c'est d'instaurer du lien par cet outil et de nourrir la gazette avec la créativité des habitants. Bravo, bravo. Si vous avez vous aussi un message vidéo à nous envoyer que nous diffuserons sur les antennes de Télématin, vous nous l'envoyez à mon Télématin en un seul mot, @francetv.fr.